Quoi, Safi? Pas rien, je suis tombée, je suis morte. D'accord, bah écoute. Putain, y'a le bourré dans le... Dans le jeu, là, je sais pas si vous entendez, ça me fait genre... Non, j'ai pas entendu. En tout cas, coucou, c'est Dina, Safira et Bibi. Dans Try ne toi à toi. Et on vient de se rendre compte qu'en fait, Trine, bah, c'est détruit et qu'il y avait, qu'il y avait un démon à l'intérieur. Et que là, on a été chercher une autre partie de cet artefact. Enfin, j'espère avoir tout compris. Oh là là, excusez-moi. Allez, on monte. On monte. Non, non. Ah. Attendez-moi. Montons. Ouh, ça brûle. Ah. J'avais oublié que c'était en 3D, alors du coup j'ai été tout droit. Je crois qu'elle a vraiment des soucis de... Ah, c'est relou quoi. Je crois qu'il faut changer de fournisseur internet. Mais non, mais c'est pas à cause d'internet. Bah non. Vous entendrez mal. Elle est sur Skype, donc il y aurait pas de problème. Alors, j'ai des grosses boules. T'es où, Dina? Je me vois pas, moi. Je suis mort. Ah bon? T'es où? Plus loin. Ils m'ont mis sur une plateforme, je sais pas pourquoi. Et moi, je peux pas jouer. Hein. Moi, je vous regarde jouer, en fait. Ah, mais t'as pu rejoindre la partie quand même? Oui, mais je peux pas jouer. En fait, je te vois jouer, Bibi. Attends, échange avec moi de personnage. Bah si, t'es là. Ah si, ça y est. Moi, je sais pas. Je comprends rien. Aïe. Ah. Il y a des petites choses brillantes. Ah mince, faut encore aller la ressusciter. Et ils sont éparpillés dans tout le pays. Le plus proche semble être dans la forêt de Redwood. Je parle à Aurore, tu es morte. De la voix. Ici la voix. Ici la voix. Amadeus, Zoya, Pontus, continuez votre... Quel est votre secret? Nous avons détruit le trail. Je suis battu par ma femme. Je suis à la bibliothèque et il y a des livres d'Harry Potter partout. Merde, Oum. Ah là 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 là. Safi, si tu me crois sur ta route, ressuscite-moi. Il y a des livres d'Harry Potter qui essayent de me manger. Et ils sont... le truc des créatures là. Voilà, et ils sont et vraiment très 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 nombreux. Ah! Au secours! Ah oui, mais grave, on dirait trop que c'est ça. Bah oui. Ils ont trop regardé Harry Potter, je crois. Le livre monstrueux des monstres, un truc comme ça. C'est le monstre livre des monstres. Au secours. Je suis poursuivi par le livre de Valérie Trierweiler. Oh. C'est pas bien de citer. Oh, c'est dégueulasse. Bon, je sais pas. Je connais pas, je sais juste que ça fait rire beaucoup de monde parce que... Je m'éclate. Oh, Safira. Pardon, oui. Je me vais glisser comme si j'étais une patineuse, quoi. Safira, regarde, il y a plein de petits dragons sur les lions. Oh, c'est des dragons! T'as failli lui tirer dessus! Attendez, j'arrive. Mais on va aller voir de plus près. Regardez, je suis Daenerys avec mes petits dragons. Ah! Ils sont vraiment trop beaux. Je vous jure. Tu te souviens du petit dessin qu'on avait trouvé dans Trine 2, sa fille avec le petit dragon trop mignon? Ouais. Eh ben, c'est pas elle, mais... la gardienne? Attendez-moi! Attends-moi les blocs! Oh, il y en a un autre ici! Oh, il est trop chiant! Oh, achève-moi ça! Safira va venir habiter ici, voilà, ça y est. Ouais, c'est ma demeure avec mes dragons. Ah non, c'est nul les dragons. Ils sont trop chauds. Hein. C'est qui me suit là? Bah, c'est moi, il y a combien de mages dans l'équipe? Et ça, tu sais faire? Non, mais regarde ce que je sais faire. Tu t'es loupé. C'est quoi ce bouton? Qu'est-ce qu'elle fait là, elle? Elle fait son métier de voleuse. Je vois pas le dragon. Attention. Oh.
Ah, j'ai du mal avec ce 3D, je me mélange des boutons. Attention. Vas-y. Attention. Ah, je meurs. Ah, j'ai réussi à rejoindre Saphira. Et t'arrêtes de rire comme ça, hein, s'il te plaît. Aïe! Moi, je saute tout droit contre le mur. On loupe pas mal de bébés. Ah, non! Faut que je vous ressuscite. Alors là, je m'y attendais pas, hein. Oui, bah fais gaffe cette fois. Il y a un crochet là, sa fille. Tu penses que c'est pour toi, par terre? Oui, c'est pour qu'elle... Parce qu'il y en a un contre le mur, c'est pour qu'elle accroche le pont qui tombe pas. Ah, pour que je puisse poser un bloc. Vas-y. Ça va être chaud, mais c'est pas impossible. C'est chaud. Ah non, c'est pas chaud. Ouah! Fais tomber l'échelle. J'ai jamais aimé la lecture. Vous allez adorer l'énigme d'après. Non, stop, arrête de... Faut... Non, on avait réussi, Sophie. Non, il a manqué. Là, attends. Bravo! Mais attends. Wouhou! Ah bah. Ah mais. attends. Non, il faut revenir avant. Attends, lui. Ensuite, lui pour désactiver ça. Ah, et au milieu. Lui. Non, attends. Stop! Bouge plus! C'est bien. Oh merde. Et maintenant lui. On va ensuite faire lui. Et puis attends, j'aurais pu tous les éteindre là, ça aurait été pratique. Mais pourquoi faut pas tous les éteindre? C'est que c'était pour partir. Ouais. Allez, alors, on part de cette base. Je suis pas sûr que c'était une bonne idée. Ensuite, d'ici. Qu'est-ce qui... Puis de là. Enfin, de là. Après de là. Mais tu caches tout. Mais attends, faut être logique là. Attends. Lui qui fait ça. Voilà. Ensuite. Mais elle m'a déhussé là-dedans. Ensuite ça. Ensuite. Non, je vais éteindre celui du milieu. Voilà. Ouais, ça revient au même. Non, laisse-moi faire. Non, Sophie. Faut activer. Voilà ça. Lui. Bah non. Lui. Ensuite, attends, lui, je vais le redésactiver. Activer ça. Ça. Redésactiver ça. Ensuite, activer celui-là. Ensuite, ça. Celui-là. Allez, arrête de rire, toi. Non, mais c'est pas possible de pas rire, là. Celui-là qui va me faire... Celui-là qui va me faire rallumer. Celui-là qui ensuite va me faire rallumer. Celui-là. Et merde. Lui. Ensuite, lui. Faut que je trouve un moyen maintenant d'éteindre les deux du milieu. Ouais, je vais peut-être faire comme ça, lui qui va me le réteindre, mais lui il va me le rallumer, et bordel. Alors je vais retourner là, là, donc tu auras lui pour éteindre avec lui, mais sauf que du coup, vu que j'ai lui, faut que je fasse lui, ensuite que je fasse lui, pour ensuite faire lui, ensuite faire lui. Mais pour ensuite faire lui, ça marchera pas ça, Dina. Moi aussi, mais bon.
Voilà. Maintenant ça. La musique va tellement bien avec le truc. Faudra accélérer au montage ça. Parce que si je suis avec lui, ouais, ça devrait pas le faire. Je l'accélérerai, ouais, avec la, avec les petites voix. Alors avec lui, lui. Voilà, ensuite, je vais y arriver, Ce qui va me permettre de faire... Eh merde ! Ah, quoi que après si je fais ça. Et que je fais ça. Si je saute ici, ça tout me désactiver. Et si je fais ça, puis ça, et ben ça va me désactiver ça. Mais merde. Qui c'est qui fait de feux d'artifice? Ah mais en fait je suis en train de me faire chier depuis tout à l'heure parce que vous êtes déjà en haut. Bah oui. Bah moi je peux sauter contre les murs donc au bout d'un moment ça fonctionne. Merci de me l'avoir précisé. C'est hein. Trop rigolo. Bon moi je vais lire mon grimoire. Ah d'accord, bah je vais le chercher. Ah bon. Wouah. Bah je suis tombé. Je pensais qu'il fallait le suivre moi. Oh Bibi survit, je ressusciterai Saphira. Ah. Je suis vivant encore. Je suis mort. Ah ! Bravo Dina. C'était fort joli. C'était fait pour. Bla 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 bla, temps de chargement caché. Moi comme un idiot j'ai sauté pour suivre le grimoire. Vous êtes où? Bah je suis pas là. T'es tout seul. Eh bah dis donc. Et pourtant vous êtes là. Je peux pas changer de perso. Ah oui mais nos corps ils sont là-bas. Vous pouvez pas être mort. Si moi je suis mort perso. Bon bah on recommence. C'est que toi t'es réapparu directement au boss. Et nous on est réapparu au checkpoint. Bah, je vais essayer de pas bouger. Ah bah voilà. Tu es où? Oh. Ah vous êtes là. Ah. Bon. Je vais la voir, ce salaud. Mais ils vont arrêter de s'enfuir quand on s'approche. Mais mince. Bien que la plume est plus forte que l'épée. Ah ah, nous en tirerons des informations. Oh non, ça va être trop cliché si on est enfermé dedans quand même. Allez. Ça c'est fait. Harry Potter, ils ont trop regardé Harry Potter. Je crois. Tom chez du sort. Youpi. Ah.
La chronique des gardiens. Un livre particulier semble avoir capturé bien plus que l'attention de nos héros. Ce tome intitulé... Ça te rappelle pas quelque chose, Saphira? Oh, c'est trop classe! Une chronique de Spiderwick? Non, mais vous allez voir dans le jeu. Oh! C'est trop mignon! Oh putain, maintenant on se croirait dans Harry Potter quand on raconte l'histoire des trois frères. Tourne la page! Ah bon? Comment? Non, il doit y avoir un secret. Voilà, on est mort. Moi, je suis pas d'accord! Ça me rappelle le monde à thème. Tu te souviens, Saphira, quand on est mangé par un ver dans le 2? Et toi, t'arrêtais pas de dégueuler. Oh, c'est trop cool les animations! J'ai cru que ça allait être du 2D, mais non. Bon, il y a forcément un secret. Saphira essaie de tirer des flèches sur la chronique du gardien. Mais il y a une sorte de trou dans la page là. Ah, bien vu! Alors, que faut-il faire? C'est le jeu qui est encore buggé. Peut-être pas. Normalement, tu sais, quand on appuie sur table, nous, on peut voir des actions à faire et il n'y a rien. The Chronicle of Guardian. Voilà, en fait, le développement du jeu n'est pas été plus loin que ça. Voilà, c'est ça, c'est la fin et on doit s'amuser sur une page de livre. Bah, attendez, on va quitter la... On va quitter... revenir sur la carte et on va re-rentrer. Voilà. Bah, c'est vrai que moi, j'ai eu un léger petit bug dans la lecture. Voilà. Comment on rentre dans le jeu? Comment on fait? J'appuie sur R. Bah, j'appuie sur R, ça m'affiche les chroniques du gardien. Ah oui, il faut que je clique. D'accord, quelle nouille. Bon. Ce tome intitulé Les chroniques du gardien contient les manières étranges de faire des recherches. Non. Ah! C'était bien un bug. Non, parce qu'on n'avait pas tous les trois en même temps à droite, peut-être. Ah, peut-être. Ah, possible. Non. Nous avons partagé de nombreuses aventures ensemble. Je suis Trine. Trine est une femme. Ouais, c'est bien. Où êtes-vous? Je ne vous vois pas. Je suis un esprit, comme ça. Je n'ai pas de peur. Mais maintenant que nous sommes tous ensemble, nous allons pouvoir discuter. Déplaçons. Ça devient de plus en plus étrange. Nous allons faire ce qu'elle dit si nous souhaitons sortir du livre. Ça, je trouve que c'est un monde génial. Allons parler à Trine. On est en train de lui parler déjà. Tu peux me descendre celui-là? Non. Ah! Non! Assassin! La plume est plus forte que l'épée. Non. Là, il faut qu'on attende sa fille. Tiens, tournons la page, Saphira. Oh ! Oula ! C'est pas trop magnifique, sérieux ? Si. Quoi ? Pourquoi ces créatures nous attaquent-elles ? Le livre devient sacrément hostile. Nous nous en sortirons. Je n'ai pas peur des monstres de papier. Attends, Zoya, certainement à rien dans cet opus de train. Bah non, on a besoin d'elle, t'as vu tout ce qu'il faut faire avec le grappin? Elle ne sert à rien là. Vous n'avez vu que sinistre. Il y a 1000 ans, il était encore vivant et au sommet de sa puissance. Sarek avait un désir insatiable de puissance et de magie. Ah! Ouais, j'avais pas vu que c'était des plateformes.
Ah! Bon, arrêtez de mourir là. C'est toi qui m'as tué en sautant. Et maintenant, ce sorcier à la puissance immense souhaite nous voir tous les trois morts. Je n'ai pas peur. Nous avons Trine avec nous. Oui, mais elle est aussi éparpillée aux quatre coins du monde. Ah! Attention! Oh, joli! Bon. C'est pas que je vous aime pas, mais... Ouh! Tournons la page. Ah, la nouille. Zoya, c'est à toi de jouer. Ah bah non. Logique. Merci. Je crois que tu... Ouais, on peut, sa fille. Et flûte. Casse-moi cette corde là. Bon, ça c'est un boulot pour Saphira princesse guerrière. Saphira princesse voleuse. Quel drôle de verrou. C'est quoi cette tête de lapin? Moi je suis plus intéressé pour aller par là pour l'instant. Ça paraît plus secret. De toute façon, il n'y a qu'une entrée. Ah d'accord. C'est classe. Au secours! Dis le mec qui a un bouclier. Wouhou! Dis la meuf qui a un grappin. Hein. C'est moi qui ai dit ça. Comment on doit faire là? Ah bordel, ça tue en un coup. C'est ce que je comptais faire aussi. Ici on doit rien risquer. J'ai rien dit. Merde, vas-y. Bon bébé, mets-toi là-dessus et essaye de le faire avec ton bouclier. Vite! Non, avance-le vers plus loin déjà. Non, je peux rien moi. Bah si, tu sautes dessus et après tu sautes avec ton bouclier là-bas. Ouais. Maintenant comment on va faire nous? Non. C'est la fin de la page en plus. Ouais, et là on peut pas faire autrement. Wouhou. Et si je meurs, peut-être que je viendrai vers vous. Ah, je suis pas mort. Ah si. Bah si, si je suis mort peut-être. Eh ben non, tu... Ah, bon, je vais pas insister, moi. Ah, je suis mort. Attends. Comment faire? Et quand moi je vole mon bouclier, tu peux pas l'utiliser comme... Non, je crois pas. Comme appui. Tu peux me ressusciter, je suis vert. Ah merde, y'a plus que Saphira qui doit retourner en arrière pour nous ressusciter tous les deux.
Au plus c'est déjà la fin de l'épisode. Bon bah on se retrouve quand on a réussi à traverser cet endroit. Allez, salut. Et coucou, c'est Dina, Safira, Bibi, on se retrouve dans Trine. Et en réalité il fallait que je donne un coup de boule de l'ennemi dans le pont pour le casser et donc pour passer. Donc nous y voici. A tout à l'heure. Salut. Va vers la gauche, s'il te plaît, plus à gauche, plus à gauche, plus à gauche. Merci. Pas content. Allez, toi, essaie de m'écraser. Oula, il y a du grappin là. Ou du tapes. Ouh. Là oui, je veux bien qu'il y ait du grappin. À quoi sert ce machin? À rien. Bon, je sais pas. Ah. Personne ne peut tuer Sarah. Il a enchanté son cœur afin de vivre éternellement. Alors on plante une épée dans son torse pour détruire son cœur. Malheureusement, ce n'est pas si simple. Sarah a caché son cœur. Ah, Pirates des Caraïbes. D'ailleurs, ah, Harry Potter. Qu'un millier de héros sur un millier d'années n'ont pu réussir. On dirait la chasse au trésor la plus difficile du monde. Ça n'en est pas loin. Mais je ne pense pas que nous trouverons un peu. Je rêve où le Trine a de l'humour. Aïe! Oui, mais en fait, il y en a trois à faire bouger. Donc il faut trouver des objets. Ah bah. Ou des gros culs! Vas-y, Sophie. Vas-y! Et maintenant, Einstein? Eh ben on court. Eh merde. Et si je vous fais monter en haut, y'a quoi? Et si je fais ça moi? Faire.
Ah, Saphira peut peut-être accrocher quelque chose. Bah, tout à l'heure, Saphir. Hein. On peut pas finir sans aide, idiot. Ah, merde. Ah, j'ai trouvé ça. Ah. Non, attends, vas-y, Saphir, retire-le. Non, mais Dina, bloque les portes avec. Ah oui, bonne idée. Il est un peu gros, mon machin. Mais non. Il va pas y arriver toute seule. Vas-y. Non. Merci Dina, t'as failli me tuer. Tu peux Saphira là. C'est pourri ces histoires de cornes là, ça se tombe pas. Vas-y Dina, le bloc là-bas, mets-le là-bas. Mets-le où il y a... À l'autre bout. Non, allez-y, vas-y Dina. Il veut pas, aller vers le fond. Sérieux? Attends, je vais le rattraper d'ici. Voilà. Non, il veut rester que au premier plan. Donc il y a un truc à faire avec les cordes à sa fille sûrement. Ah oui, mais ça se tombe pas, ces trucs débiles alors. Sauf s'il y a besoin d'un de mes cubes pour appuyer quelque part. Ah oui, voilà, vas-y, accroche la corde au deuxième. Voilà. Tu viens? Eh bah, boudel. Ah, ça fera vite, oui. Oh, un petit chemin, je peux y aller? Y'a rien. Et en haut? Ça va être chaud comme du non, tabasco. Mais... J'ai failli ne pas sauter. Ah ouais, Safi, accroche ton crochet. Voilà, il faut qu'elle reconstitue le pont. Ah ouais. Ah bah comme ça, Bibi sera là-haut au moins. Bon bah, parfait. Oulala. Est-ce que je peux placer ça quelque part pour t'aider, Safi? Là? La fille, c'est le style, mais putain, mais pourquoi la corde? Voilà. Oh, génial. Elle se détend toute seule. Plus haut, Dina. Je peux pas. Ma main est rouge. Cette corde sert à rien. Déjà deux au moins. Voilà, méduisant à mi-hauteur. Ah bah en plus c'est le bord de page. On peut pas l'aider. Enfin, comment est-ce qu'on peut l'aider? Si seulement ses cordes allaient noix et tenez. Qu'est-ce que tu fais? Il y a des cordes partout.
C'est une voleuse, elle est pas capable de grimper à sa propre corde. Voilà. T'es sûr? Ah, vite, oui. Safie. Ouais, mais si Safie s'en va, est-ce que ça va pas tout... Non, c'est bon. Non. Allez. Oh, c'était une paladine. Nous avions pour but de sauver le monde. Le gardien était un magicien légendaire. Il nous avait confié le moyen d'emprisonner ça. C'est un peu chewing-gum. C'est déjà la fin? Non. On va faire rebondir ça à Saphira. Ah bah si, c'est la fin de page. Oula! Alors pardon, je n'ai pas compris comment j'ai fait ça. Qu'est-ce qu'il y a? Moi-même, je ne sais pas. Ouais. Rona et moi avions trompé Sarek afin de l'affronter. Il a dû se douter que quelque chose se tramait, car alors il s'est enfui. Notre plan était de séparer son âme en trois parties. Oh, les Horcruxes! Cela devait le priver. C'est ce que je t'ai dit, regarde trois réponses. C'est le temps de trouver son corps. Et Pirates des Caraïbes. Où se trouve Dame Rona de nos jours? Oh, Dame Weasley! Le sort. Oh putain, j'espère que ça sert à rien. Vous pensez qu'il est arrivé quoi, sa sœur? Elle est morte. Bah sûrement, vu que c'était il y a des millénaires, mais... Mets le bloc contre le violet, le truc violet, s'il te plaît. Non. Le premier. Là, voilà. Son mural. Bravo, tu m'as fait me suicider moi-même. Bah d'un côté, faut pas te foutre en dessous non mais plus. Mais je savais pas ce que ça allait faire, j'avais pas fait gaffe. C'était quoi ce bruit? Oh mince. Perdu l'habitude du 3D, alors moi je vais tout droit. On dirait deux matelas, un lit superposé, le machin. Mais j'y arrive pas. Tiens, attrape-le. Non, il faut le matelas. C'est vrai qu'en plus, ça fait un vieux bruit de ressort. Bah vas-y, fais-nous tous mourir. Moi, je me casse. Ah, c'est la fin de la page. Attends, Sophie. Ah! C'est pas moi. Tu le vois ou pas? Non. Attention. Wouhou! Allez. Mais il y a combien de pages dans ce livre? Je plains pas, déjà que le jeu paraît court. Mais comment il a fait, lui? On m'appelle Mario, le roi du sang. Oh non, je suis mort. Continue, mais la vie continue. Attends, Safie, t'y arrives? Bon, j'essaye.
Oh, bah de toute façon, on peut pas faire demi-tour, démerde-toi. Bah, disons qu'on est tombé dans un truc et on peut pas remonter. Bah, si tu me mets un cube. Tiens, prends-le. Non, mais. Faut que tu viennes me l'installer. Moi, je suis pas magicien. Te l'installer. Installez-vous, Cassune, s'il vous plaît. Hop. Voilà, Mirette. Non, il est mal mis. Bah, débrouille-toi. Bah, ça devrait aller, allez. Il m'en faut un autre, s'il te plaît. Tiens. Juste là. Bah, j'ai compris, je vais devoir le pousser moi-même. Ouais, parce que vu au rythme où elle est... Mais comment ça se fait qu'elle n'y arrive pas? Il y a une énigme? Non. C'est qu'il faut avoir un gros cul. Ce que la vraie Saphira a, mais ce que Zaya n'a pas. Allez! Arrête de vous clasher, là. Nous sommes dans un livre. Ah bah bien sûr, maintenant c'est moi qui me retrouve. T'as dit que t'avais un gros cul, donc tu te débrouilles. Oui, moi je vais pas me débrouiller, ça devrait aller. Voilà. Voilà, me revoilà. Passe, Safi. Ouais. Qu'est-ce que c'est que ça? Mets le cube dessus. Ah! Il y a deux crochets par terre, Safi. Si tu peux faire quelque chose. Voilà. Faudrait pas faire passer la ficelle par-dessus ce machin. Ah si, après ça nous soulèverait, bah dis donc. Attends, elle apparaît ici. Pour une fois qu'il faudrait... Non! Non, j'ai pas fait exprès. Allez, accroche, accroche! Ah bah enfin! C'est bon. Allons-y. On se croirait dans les jeux pour enfants, tu sais. Alors, tu mets la ficelle. Fin de la page. Du village. Ah non. Ah, le Seigneur des Anneaux. Et vous l'avez affronté dans un grand combat. Star Wars. Oh, il y a les trois Trine au-dessus. Oh mon dieu. Dame Trine, vous êtes mort? Mais non, elle est en haut, accrochée. Ah non. Non, c'est la sœur. Leur magie a donné à Trine et à sa sœur la force de savoir emprisonner ça. En attendant le temps où des héros courageux et assez intelligents trouvent... Et assez intelligents. J'adore la petite remarque. Donc en gros, un méchant et deux gentils se sont retrouvés coincés. Mais vous aviez vu, elle n'était pas morte, sa sœur. Donc à tous les coups, on peut peut-être la ressusciter, non? Non? Je sais pas. On verra. Bah, il nous reste que 6 minutes. Du coup, ça vaut peut-être pas le coup de faire un prochain épisode. Ah, regardez, de toute façon. Ouais. On n'a pas bloqué. On n'a pas assez de train angle pour... Il en faut combien? Il en faut 700. Et on en a 550. Donc on va devoir spammer les anciens niveaux ou les niveaux bonus. Et nous de toute façon on montrera en vidéo que cet endroit. On saura quoi faire voir caméra, ouais. Bah voilà. Et bon, on se retrouve bientôt pour un prochain épisode de Try and Toi à Toi avec Gina, Safiwa et c'est tout. Allez, à plus tard. Et moi. Ah, t'es qui toi? T'es une chèvre? Tiens, prends ça. Allez, à bientôt.